Yo les gens, c'est Assassin's Creed Soldat, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un concept qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent et que je ne ferai pas souvent. C'est un petit urbex d'une maison abandonnée. Je vous explique, là en ce moment je suis à une soirée et comme il y a une maison abandonnée juste en face de la soirée, enfin soirée, pas vraiment soirée vu qu'il est 15h mais on se comprend quoi, eh ben je vous propose de faire un petit urbex. Entrons. Vous pouvez donc voir l'entrée de la maison. Alors c'est une maison qui est abandonnée depuis 40 ans apparemment. C'est pas nouveau quoi, hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Je sais pas trop ce que c'était, on dirait un genre de salon, ça doit être une cheminée, je suppose. Oui, je suis en train de picoler en même temps, voilà. Y'a quoi ? Ici, je crois que c'était un genre de réserve, voilà. On peut même voir une armoire. Ici, il y a un frigo qui est complètement renversé. Voilà. Je suppose que ça devait être là, la cuisine et la salle à manger. Là, on peut voir une canette de Carapils. Berk. Poison. Tu devrais même pas être commercialisé, toi. Là, on peut voir ce qui servait de jardin. Voilà, c'est abandonné. Ouais, bref, passons à la suite du bazar. Ici, c'est... la cave. Je vais pas vous mentir, j'ai aucune envie d'aller là-bas. Voilà, comme ça c'est dit. Du moins pas tout seul. Là c'est... un garage je suppose, avec une autre entrée pour le jardin. Bon, je n'ai aucune envie de vous montrer la cave. Par contre, je veux bien vous montrer l'étage et le grenier. Voilà. On monte, alors ça n'a pas l'air, mais l'escalier est encore très solide. Au moins, ils n'ont pas fait le boulot à moitié en construisant la maison. Encore une petite vue sur le jardin, là on a... Oh mon Dieu! Une pièce vide! Ensuite, encore une pièce vide! Avec un bout de balai et un bac. Voilà, petite vue sur la rue. Puis, encore une pièce vide avec une porte et un seau dedans. Et des bouteilles. Puis la rue. Ensuite, alors, je vais pas aller très loin, mais on peut voir la cave. Je veux dire le grenier, pardon. La cave, c'est en bas. J'avais déjà pas spécialement envie d'aller dans la cave, mais vous pouvez voir que le grenier est pas terrible non plus, hein, niveau ambiance. Alors, pourquoi je veux pas aller plus loin? Je vais vous le montrer tout de suite. On peut voir quelques trous, et non merci, j'ai pas envie de commencer à me casser la gueule, là. Voilà. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée de commencer à monter là, hein. Bref, voilà, c'était un petit urbex complètement improvisé, je vais pas vous mentir. De toute façon, depuis le temps, vous devriez avoir l'habitude sur ma chaîne, hein. Alors voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous promets pas que je continuerai ce concept-là.
Ce que je vous dis, c'était improvisé, mais je vais essayer. À plus!